toi, cher spectateur, et bienvenue dans une superbe chronique. Et aujourd'hui, le sujet des âmes fun de l'absurde, j'ai refait ma vie avec un milliardaire, entre parenthèses, Pretty Woman. Pour en parler, nous avons un superbe panel aujourd'hui, Fabienne, qui s'est remariée avec un superbe grand réalisateur américain, Steven Spielberg. Bonjour. Candice, qui a épousé un super grand réalisateur qu'elle connaît peut-être bien, Fabien Condaminas. Je crois que c'est quelqu'un qui a plutôt bien réussi dans le monde du cinéma. C'est ça. Et Mathieu, qui est devenu Mathilde pour pouvoir réaliser son rêve, se marier avec Durendal. Ah ben, en même temps, je remarque une petite chose. Entre tous ceux qui voulaient bien travailler pour réussir dans la vie, il n'y en a qu'une seule qui a réussi à faire jusqu'au bout. Hein. Et moi, j'estime ma féminité. Tu vois, la féminité, ça peut être parfois un côté très masculin assumé. Et là, c'est moi. C'est l'évolution. Il n'y a pas que les désolé, formes. Désolé, Valentine, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que les formes qui comptent, Mathieu. Non, non, non. Bon, ça va être difficile de parler avec cette voix. Ouais, non, on va parler comme ça tout le temps. Mais vous l'aurez compris, voilà, on s'est mis dans les costumes pour parler donc de Pretty Woman de Gary Marshall, film de 1990 qui fête ses 25 ans, qu'on a vu donc dans le cadre de l'absurde séance Soirée Girly. Genre. Et voilà. Donc, pour le coup, une invitée en plus, Candice, qui voilà, apporte un côté vraiment féminin à cette chronique, parce que sinon ça aurait été une... C'est-à-dire que moi j'ai tous les attributs féminins. Voilà, voilà, on a un public cible pour la vidéo, donc les filles, ne nous crachez pas dessus, vous ne pourrez rien dire, parce que voilà, on a voilà. Bon, bah tiens, Fabien, tu veux pas te coller au résumé du film ? Allez, on va faire un petit pitch. Donc on suit l'histoire de Edward Lewis, qui est un homme d'affaires très très pris dans son travail, qui est brillant, et qui tombe un jour par hasard sur une prostituée qui s'appelle Viviane, qui est sur le Hollywood Boulevard, si c'est je me ça, trompe pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bah, sa vie va basculer parce qu'il va, Il va l'embaucher surtout pour jouer les femmes de service à ses côtés. Pour être là à ses réunions de travail, à ses rendez-vous, on va dire, professionnels, mais va s'attacher très rapidement à elle parce que bah, elle est dans un univers complètement opposé au sien. Et on va suivre cette histoire, on va dire, cette petite histoire d'amour avec multiples péripéties, multiples shopping, voilà. Tu es très belle, ma chérie, voilà. Non, bref, et du coup, voilà, donc on va suivre toute cette histoire de ce duo et puis leur histoire d'amour, en gros, sans trop spoiler. Voilà. Bon, sans trop spoiler, mais en même temps, ce genre de film, on n'a pas besoin de spoiler parce que c'est évident. C'est un conte de fées, donc forcément à la fin, le prince il se tape la princesse. Justement là-dessus, tu peux rebondir, Candice, c'est toi qui me l'as dit, à la base ça devait pas se finir comme ça. Ouais, à la base il devait peut-être s'appeler 3000 comme le cachet d'une prostituée, mm-hmm. Et à la base il devait la ramener sur Hollywood Boulevard et partir lui à New York. Et ça devait se finir. Comme un vrai mec, putain! comme un vrai. Et en fait, quand ça a été racheté par Disney, ils ont fait une fin à la conte de fées. Ah, et on sent même d'ailleurs qu'il y a des séquences qui ont été coupées, notamment les scènes un peu plus. Ah, parce que. Hot! On a quand même une fellation suggérée et un cunnilingus de bonne aloi. C'est ça. Oui, oui. Mais oui, c'est oui. Très mal. C'est suggéré, très mal. Après, je suis pas sûr que ce soit des séquences. Allier Disney et prostituée, je veux dire, c'était un combo gagnant. Hein. Mais c'est un genre, oui, de conte de fées moderne avec le faux chevalier et puis la princesse. Mais c'est limite l'inverse en fait. Parce que finalement, ce qui fait basculer vraiment le film, c'est le fait que la princesse charme plus que le prince. Oui, c'est ça, oui. Complètement, au final. C'est un petit peu déjà ça dans les Disney, parce que dans Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est pas le prince et les Sept Nains. Hein. C'est... Encore une fois, là, c'est la figure de la femme qui ressort en priorité. Et ben là, vous avez fait le résumé où c'était donc le personnage de Richard Gere, Edward Lewis, qui avait le changement. Pour moi, c'est plutôt Julia Roberts qui est mise en avant, même si bon, c'est vrai que c'est Edward qui a le changement, donc c'est parti du protagoniste. Mais ouais, là c'est sur les personnages un truc qui m'a beaucoup gêné. Alors c'est déjà là, je me souvenais pas que la prostitution était bien montrée comme quelque chose de glauque. Là finalement donc c'est bien le cas, tant mieux. Mais c'est un petit peu trop la prostituée idéale, si j'ose dire, celle à qui il va forcément arriver quelque chose de chouette. C'est pas la vraie fille qui est dans la merde pour se prostituer. Même si, bon, encore, à l'époque, l'Amérique était suffisamment encore riche pour pouvoir ne pas avoir des miséreux totaux, si j'ose dire. Mais quand même, c'est trop beau. Mais encore, elle l'explique, parce qu'elle le dit, elle dit avec sa collègue de travail, son amie, j'ai oublié son prénom, je sais de quoi. Kit. Kita.
Et du coup, elle lui dit qu'elle l'a suivi parce qu'elle avait fait plein de petits jobs avant et qu'elle faisait ça parce que sa pote lui disait que c'était un peu le rêve du travail. Donc, on sait bien qu'elle l'a pas fait prostituer parce qu'elle était dans un milieu merdique, on va dire. Elle a fait ça parce que c'était peut-être un peu la tendance du moment et puis qu'elle a découvert une pote qui faisait ça et qu'elle le fait aujourd'hui. On sent bien qu'elle a un décalage par rapport au reste. C'est le côté tendance, justement, qui me gêne. Parce que, quand même, la prostitution, c'est une réalité. Mais c'est souvent le dernier recours du désespoir. Ouais, mais elles sont sur Hollywood Boulevard, donc est-ce que dans le contexte de l'époque aux États-Unis, après il faudrait connaître un peu plus le contexte. C'est vrai que franchement, pour être passé sur Hollywood Boulevard le soir aux États-Unis, il n'y a pas de prostituées sur Hollywood Boulevard. Là, c'est typiquement dans le mythe, on est typiquement dans la caricature, c'est-à-dire il n'y aura jamais de prostituées sur Hollywood Boulevard. C'est un truc où les gens passent tellement, il y a tellement de touristes, ça serait inconcevable de se dire il y a des prostituées à chaque 2-3 étoiles. Plus en jouer avec ça alors que l'imitation des fois, j'ai trouvé ça énorme. Bon, on part sur le ressenti global avant. Yep. On fait, ouais, vas-y, Valentin. T'as encore 10. Ouais, la fille avant. Allez. Pour moi, c'est un film qui est absolument intemporel, qui est pas du tout démodé, qui c'est le film type de conte de fées, hors dessin animé, on va dire. Voilà, moi je trouve que le couple Richard Gere-Julia Roberts, ça marche hyper bien. Ils ont une complicité à l'écran qui est absolument géniale à voir. Et puis voilà, je veux dire, ils construisent leur couple comme ça. Et moi j'aime beaucoup voir ça. Il y a beaucoup d'émotions. On peut aussi un peu se refléter dans ce personnage de Viviane qui rêve d'un conte de fées, comme toutes les filles rêvent d'un conte de fées aussi. Donc voilà, je trouve qu'on peut s'identifier à ce personnage. Et voilà, moi c'est un film que j'adore voir et revoir, et voilà, c'est absolument génial quoi. Donc oui, c'est vrai que en tant que garçon, c'est vrai qu'on a un recul différent par rapport au film, mais c'est vraiment le profil type et le classique, un des classiques types du film pour filles, mais sans que ce soit cucu en fait. Parce que moi je l'ai pas pris comme ça, moi je l'avais déjà vu deux fois il y a quelques années, et là en le revoyant, je me suis dit, mais en fait il n'y a aucun moment où c'est trop cucu, où c'est trop alala. Bon voilà, après il y a les séquences shopping, mais ça c'est assez limite volontaire, et puis c'est au contraire, c'est vachement marrant. Cliché, ouais, c'est cliché. Non mais il part et puis il lui donne de l'argent pour faire du shopping quoi. Allez les filles, vous faites que ça de vos journées, faites que du shopping quoi. Ouais, mais regarde, après, les émissions aujourd'hui, voilà. C'est limite ça malheureusement, mais non voilà, il n'y a aucun moment où c'est trop cucu, et même des fois c'est très juste en fait, j'ai trouvé que le film était très juste. Donc ouais, non, moi j'ai apprécié le revoir en tout cas au cinéma, en plus on l'a vu en qualité pellicule. Donc VF. VF. Ce qui est rigolo. Ce qui est rigolo, mais voilà, c'était cool de le revoir. Donc oui, c'est un film, c'est un classique de film. De film. Valentine. Non, vas-y Mathieu d'abord. Enfin, Mathilde. Mathilde. Eh ben moi, je connais ce film parce que je l'avais déjà vu. Contrairement à Valentine qui est un peu pucelle. Mais là-dessus, il se trouve, c'est amusant sur le coup. Mais c'est pas un film que j'aime. C'est un film que je ne déteste pas. Précise, mais que je n'aime pas parce que je trouve justement le fait que ce soit un conte de fées dans l'ensemble du film, ça me gêne à cause de certaines thématiques qui sont abordées, dont j'ai un peu parlé, donc la question de prostitution. Il y a beaucoup d'incohérences, je trouve, sur les personnages dont je ne comprends pas les réactions, qui pour moi sont vraiment des réactions typiques de bobos américains. C'est comme les bobos français, je peux pas supporter ce genre de personnage là, à part quand ils se transforment, et quand ça arrive, ça peut être bien, mais ici ils restent dans leur côté bobo, qui donc me déplaît assez. Par contre, ce qui sauve un peu le film, à ce niveau là évidemment, pour moi c'est le fait que au début du film, comme à la fin du film, on a une espèce d'annonceur qui fait un peu comme un prêcheur de rue, mais invisible, qui dit « C'est quoi votre rêve ?» Ici, c'est Hollywood, l'endroit des rêves. Donc, le fait qu'on mette justement dans un non-lieu réel, ça sauve. Mais malheureusement, le reste du film essaye d'avoir le contrat cinématographique. On va vous montrer une histoire d'amour réaliste. Or, les personnages ne sont pas assez réalistes pour moi, sont trop faux, sont trop creux, hélas. Donc, je n'ai pas réussi à l'apprécier, mais je ne peux que remarquer quand même qu'il a de bonnes qualités. Donc,
Je comprends tout à fait qu'il y en a qui aiment, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Okay. Et encore, je trouve que... Et encore, je trouve ça, les personnages sont un peu faux dans ce sens, mais ça, ça reste dans un univers conte de fées, donc forcément, tu vas avoir un recul différent. Tu... On n'est pas dans une empreinte vraiment réaliste, on reste dans du Disney en plus, oui. Donc forcément, on embellit tout. Et c'est pour ça que je soulignais qu'il y avait donc l'annonceur qui disait que c'est un conte de fées. D'accord. C'est Zéas qui sauve, comme je dis. Mais moi, voilà, ils approuvent. C'est qu'entre le début où il dit ça et la fin où il dit ça, donc entre ces deux parenthèses, l'ensemble de la réalisation donne un cachet réaliste. C'est bien une recherche de personnages qui est essayée d'être faite, mais ce sont des personnages qui sont irréalistes selon moi, parce que leurs réactions ne sont pas des réactions, disons, d'être humains, mais de bobos. Ce ne sont pas des gens qui vivent, ce sont des gens qui sont faits pour être dans un scénario. Et c'est ça ce qui me gêne. D'accord. C'est des personnages, donc c'est normal aussi. Mais par exemple, avec Mad Max Fury Road, complètement différent, justement, les personnages là, et c'est la grande force par exemple, de George Miller par rapport à un film comme Pretty Woman, les personnages, pour moi, étaient réalistes. Oui, mais pour moi, c'est voulu qu'ils ne soient pas réalistes dans Pretty Woman. Oui, effectivement, mais pour moi, c'était un problème avec le contrat cinématographique qui était annoncé dans le film. Et toi, Valentine, qu'en penses-tu de ce Pretty Woman? Encore une fois, j'en parle trop. Eh bien moi, écoute, j'aime beaucoup ces films. Non, pour faire simple, moi je trouve que c'est un film qui, tu l'as dit, Candice, est intemporel. Et moi c'est vraiment ce qui m'a transcendé parce que je m'attendais à ce que ça soit vieillot comme c'est pas permis. Moi aussi. Malgré le fait que ça soit des pellicules des années 90. En pellicule, oui. Enfin voilà, on pouvait se dire ça. Mais étrangement, je trouve que c'est un film qui encore aujourd'hui transpire une certaine forme de, on va dire, d'air du temps. Qui fait que même aujourd'hui, on arrive à trouver ça simple, à trouver ça direct, à pas se sentir détaché au niveau des époques. Et moi, je trouve les personnages attachants. C'est peut-être con à dire, mais moi, je me suis senti vraiment, pas forcément, tu vois, fasciné par les deux figures. Mais le personnage de Richard Gere, des premières minutes, on nous montre à la fois comme quelqu'un d'antipathique, mais quelqu'un qui a envie de bien faire. Mmh. Donc, résultat, on rentre dedans. Et puis, le personnage de Vivienne, il est excellent, quoi. Côté complètement décalé, elle va arriver dans le monde des riches et puis elle va pas savoir quoi faire ou elle va pas savoir dans quelle direction aller. Moi, je trouve ça très drôle et il y a plein d'éléments que depuis on a retrouvé dans énormément de films. Enfin, il suffit de voir, mais je saurais pas en citer un film comme ça. Mais la scène où il y a le maître d'hôtel. Thompson qui montre comment on se sert les couverts. Mmh. Elle a été reprise un nombre incalculable de fois depuis au cinéma. Il y a plein de séquences. Et surtout, ce film-là n'a pas inventé ce truc-là. Moi, il y a un film sur justement une prostituée aussi qui est amenée dans le monde des riches. C'est My Fair Lady. C'est pas une prostituée, c'est une vendeuse de fleurs hyper populaire. Mais disons, c'est... Enfin, à l'époque de la censure de l'époque, marchande de fleurs, une fleur, vous savez ce que c'est? Donc une fille pauvre qui vend ses fleurs, c'est aussi ce genre de métaphore. Quoi. Ouais, c'est... Alors merci, Floris, quand même, le samedi, allez vous faire fleurs. Mais dans l'idée, je comprends ce que tu veux dire. Quelqu'un qui fait le trottoir en vendant des fleurs, parce que toi, tu es dans une boutique. Oui. Voilà. Mais dans ce cas-là, on peut remonter carrément aux lumières de la ville de Chaplin et où la petite aveugle qui vend des fleurs, c'est une prostituée qui va sur le bord de la route par et exemple, qu'elle est aveugle. Dans L'impossible Monsieur Bébé de Howard, les protagonistes sont toujours à la recherche d'un os. Un os, en anglais, c'est bone. Et bone, c'est la trique. Bone. Et c'est ça toute la blague. Justement, quand on pouvait pas utiliser ce genre de mots ou ce genre de situation, on mettait un truc, une métaphore. Et moi, c'est à ça que ça ressemblait pour moi. Mais ouais, mais moi, je t'avoue que. Moi, j'arrive quand même à trouver le truc. Enfin, vraiment innovant pour l'époque. Pas forcément, tu vois, novateur, non. Innovant. Voilà. Et surtout que toi, t'as eu le recul nécessaire pour le voir pour une première fois en tant que garçon. Donc, je pense que. Voilà, nous, on l'a vu, on l'a surtout vécu à l'époque où les filles arrêtaient pas d'en parler, notre génération. Pardon, quand c'est sorti. 12 ans. Oui, mais non, mais. Non, mais c'est sorti à l'adolescence. C'est vrai que dès nos adolescents. Mais je veux dire, peut-être que toi, t'as eu plus d'a priori que nous qui l'avons vu la première fois, par exemple. C'est ça, ouais. Et pourtant, tu vois, j'arrive à en tirer quelque chose de positif. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Partons simplement sur le scénario qui est très, très. Qui est simple. Ah bah oui. C'est efficace. On nous vend ce qui va être vendu et ça et voilà et puis la fin est logique. La fin est logique. Et optimiste aussi, c'est vrai que ça file la banane quoi, ça je suis tout à fait pour.
Oui, quand on sort, on n'est pas, complètement triste de son sort ou quoi. C'est vrai qu'on est hyper content de ce qui lui arrive. Ouais, puis la BO est adéquate aussi. J'adore la BO, quoi. David Bowie. Là-dessus, je vais un petit peu rebondir aussi, parce que moi, c'est un truc qui m'a un peu marqué en le revoyant, donc en analysant aussi avec un regard un peu plus habitué. C'est que ça fait partie de ces films, et je crois que c'est un des premiers films qui utilise des chansons populaires pour servir la narration. Puisque justement, par exemple, il y a une chanson It Must Have Been Love, But It's Over Now, qui est bien à la place au niveau du scénario. Mais je veux dire, la chanson elle-même raconte quelque chose dans le film. Donc, c'est pas seulement un choix au niveau esthétique pour la concordance musique et thème de l'image, mais c'est carrément cette musique-là, c'est la musique pour raconter cette scène-là. Comme la chanson Pretty Woman, comme quand elle est en tailleur blanc dans les rues de Beverly Hills. Elle illustre. Et puis elle marque bien parce que c'est la première transformation du personnage. C'est cette utilisation justement d'une chanson de cette manière-là, d'une chanson du top 50 si j'ose dire, pour mettre dans un film. Je crois que c'est à cette époque-là, donc au début des années 80, que ça a été commencé à être utilisé, et donc que Pretty Woman a ainsi lancé aussi cette mode de réalisation. De style de réalisation. Scénario pareil, de simple. Rien à dire sur le scénario. Enfin, franchement, même sur la mise en scène, enfin, c'est le genre de film. En fait, on peut le regarder sur un ressenti global parce que c'est vrai que étrangement, c'est. Ouais, parce qu'en sortant du film, il y a vraiment autre chose à dire. Contrairement aux autres films qu'on a pu voir dans le cadre d'Absurde Séance, celui-là, il est très, il se ressent plus qu'il s'analyse. Il se laisse vivre, il se laisse regarder. Blanc, mais la mise en scène classique, mais qui reste tout à fait. Mais c'est vrai que pour le coup. On pourrait sortir encore aujourd'hui, quoi. Mais pour le coup, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Et on le sortirait aujourd'hui, ça serait pas du tout la même chose. Non, mais au niveau de la mise en scène, je te veux juste. Ah oui. La mise en scène aujourd'hui, ça serait pas du tout la même chose. Mais si ressortent un Pretty Woman, par exemple. Je pense quand même qu'ils devront beaucoup développer le scénario, parce que bon, c'est aussi une mode du scénario actuel. On a du mal à faire des films simples au niveau du scénario, parce que justement, on n'a plus cette péripétie. Et. C'est aussi un truc Pretty Woman, en fait, t'as très peu de péripéties. T'as péripéties ou simplement de. T'as une histoire très linéaire. Donc, à voir. Mais c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce que ça aussi, c'est un truc qui vous est présenté dès le départ. Si j'ose dire, la figure de la route et du trottoir, la route donc pour la voiture de Edouard, enfin, la voiture qu'il emprunte. Et le trottoir pour Viviane, c'est très symptomatique. C'est justement, ils vont en ligne droite. Et dès le départ, Edouard cherche un lieu qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il y a déjà une fin qui est annoncée. C'est pas un road trip dans le sens on va vers quelque chose, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. Eux, ils savent déjà où vont s'arrêter. Et tous les spectateurs le savent déjà. Ça se comprend dès le départ. Puisque l'enjeu est posé, on sait qu'on répondra à cet enjeu. Donc, scénario. C'était qu'une question de fric en fait. Ouais. C'était ça. Alors moi j'aime bien le côté très simple de la mise en scène de Gary Marshall dans le sens où elle est universelle. C'est-à-dire contrairement à aujourd'hui où il fait tape à l'œil avec des films comme Happy New Year ou Valentine's Day où ça marche pas du tout. Il a beau avoir un casting monstrueux, je trouve ça a du mal à fonctionner. Peut-être dû aussi au scénario, mais voilà, ça fait tape à l'œil au niveau de la trop nombreux de casting aussi, c'est ça cliché, le risque. C'est cliché. Autant là, le fait qu'il s'imite à deux personnages et le fait que ça soit très simple dans sa manière de se développer, dans sa manière d'être mise en scène, c'est-à-dire on va juste mettre en scène l'argent, littéralement, ça fonctionne bien. C'est simple, c'est élégant, c'est même raffiné, même par moments, il faut le reconnaître. Enfin, j'ai été assez surpris, mais la scène du piano. Elle est très très bien éclairée, elle fait vraiment très sensuelle ses limites. Je me suis cru pendant 2 secondes dans 9 semaines et demie. Commence à me dire où ça va être chaud, et en fait on se coupe un peu. Non mais je voulais dire, tu as dit que c'était sur deux personnages principaux, mais je trouve qu'il y a des très bons personnages secondaires. Il y a des très bons personnages secondaires, c'est vrai, tu as raison. Le maître d'hôtel. Ouais, le maître d'hôtel, directeur de l'hôtel, même le mec dans l'ascenseur.
Mmh. Il a presque rien à dire, mais il a un rôle assez important au final. Ouais, quoi. C'est ça. Il a même pas d'une série réplique d'ailleurs. Je me demande s'il a une phrase vraiment. Il a pas de phrase. Il l'appelle pour lui dire. Quand il se fait prendre par le col, c'est. Il y a aussi sa copine. Enfin voilà, il y a plein de. Le chauffeur de taxi. Enfin, je trouve qu'il y a des très bons personnages secondaires aussi. On s'attache très vite, même sa copine, on la voit très peu dans le film, on la voit au début puis un petit peu à la fin. Et même à la fin, quand elles sont prêtes à se quitter, quand il y a un petit peu d'émotion, alors que le personnage, on n'a pas approfondi vraiment. Ouais, c'est ça. Et c'est parce qu'on s'est vraiment attaché au personnage principal de Robert. Voilà. Et même là, ça marche, alors qu'on l'a presque pas vu. Et je trouve ça bravo à ce niveau-là, parce que... Et je trouve pas de défaut, là, à dire, j'en trouve pas un, vraiment... Le seul qu'on a pu dire, c'est cucu, mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est vrai. Donc, mais c'est le côté prostituée, en fait. C'est qu'on va dire, mais le côté prostituée, ça fait qu'on trouve pas ça forcément cucu. Oui, parce que ça fait ressortir un petit peu le truc du lot. Ouais. Ça aurait été une fille de la campagne qui aurait été chercher une fermière. Là, on aurait trouvé ça cucu, quoi. C'est vrai. Mathieu, un défaut, Mathieu. Bon, t'as moins aimé que nous, mais... Moi, justement, c'est le côté prostitution qui fait que je trouve ça un peu cucu. C'est... On a un youpi, puisque c'est... assez recharger ce personnage et le personnage de Yuppie, comme on dit, c'est-à-dire un nouveau riche de l'ère Reagan. On a une cassée de la révolution conservatrice reaganienne dans le personnage de la prostituée, et c'est justement ça va trop bien. Il n'y a pas assez d'enjeux sur, je pense. Je veux dire, c'est plus des classes. Moi, à un moment, ça m'a presque fait penser du Frank Capra qui aurait été mal digéré pour deux personnages. Pour le directeur d'hôtel qui est vraiment excellent, parce que je sens c'est un personnage typiquement de Frank Capra, ça. C'est un mec qui est un peu collé-monté, mais qui a un cœur gros comme ça, et ça se ressent super bien joué. Ou encore lors de la scène de la réunion avec Morse, avec Monsieur Morse, où Richard Gere, ben là aussi, passe du côté clair de la force, mais c'est trop simplifié. Là où Capra était un guérisseur du cinéma, c'était quelqu'un qui mettait les gens complètement dans la merde pour ensuite les faire sortir sublimes. Là, c'est plutôt, on prend du sale, mais pas trop. On les salit un peu plus, mais pas trop. Et on sait bien que quand ils sont sublimés, quand ils devraient être sublimés, ils sont en fait... Adoucis. Adoucis, voilà. Ils sont savonnés, sans plus. Moi, enfin, encore une fois, c'est mon ressenti. C'est un truc qui me gêne. Donc, j'aurais préféré qu'en fait, ce soit plus costaud sur les personnages. Alors, t'aurais voulu qu'elle soit vraiment à la merde, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Peut-être, ou alors plus de pression dans le sens où elle ne voit vraiment pas d'horizon avec Richard Gere, alors que elle le voit assez vite. Et surtout, en tant que spectateur, je l'ai vu trop vite en essayant de voir qu'est-ce que c'était, quelle scène, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Oui. C'est un peu comme si on nous préparait un grand escalier, mais que il y avait plusieurs marches qui étaient fusionnées d'un seul coup. Ça faisait pas équilibré. Oh. C'est ce que ça. D'accord. Mais moi, je pense pas que c'est ce que le public attendait. De toute façon, le public s'attend. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de filles qui a été déçues de cette romance, on va dire. Ouais. Ah bah non. Et puis ça reste dans du Disney aussi. Donc bah oui. On est pas là pour. On va dire que pour du Disney, ça reste quand même très 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 craspec. On va dire. Ouais. Dans l'univers de Disney. Oui. Et surtout moi, Disney de cette époque-là. Moi, oui. Pour l'avoir vu pour la première fois, moi je l'ai regardé en tant que Disney. Enfin, c'est-à-dire, je ne m'attendais pas à voir des grandes scènes de cul ou du ventre de sang. J'ai même été surpris de voir un téton de Julia Roberts à un moment au gré d'un plan. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui reste très du coré. Et moi, étrangement, j'aime beaucoup parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore de Disney live qui osait faire des choses comme ça. Et pour le coup, si on le remet vraiment dans le contexte de l'époque, je trouve que c'est une petite innovation dans son genre, ce film-là. C'est pas une grosse innovation ou une révolution du genre, mais il y a quand même des idées qui font qu'on se retrouve dans un conte de fées qui reste quand même craspec derrière. Voilà. C'est-à-dire que
voilà, on se dit quand même au bout d'un moment, elle va quand même pas continuer sa prostitution. C'est pareil dans, le moment, dans les Disney, oui. Dire, dessins animés, c'est pareil, il y a toujours un petit côté craspec mais qui est vite effacé. Parce qu'on n'est pas là pour dire aux enfants, ben voilà, ils sont dans la merde, donc du coup elles vont forcément y rester ou ça va toujours revenir à un moment. Non, c'est au début, c'est cette situation, et dès qu'elle va rencontrer les personnages secondaires ou le prince charmant, et ben tout va se décanter, c'est que c'est le coloris, voilà. C'est merveilleux. Donc il n'y a pas spécialement d'attente après le film, mais après le film, tu vas pas revenir sans cesse de ça. Fait une suite indirecte. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'était pas vraiment une suite. Just Married. Just Married ou Presque, ouais, qui était aussi réalisé par Gary Marshall, mais. Ça a moins marché parce que. Voilà. Pas parce que tu réunis un couple qui a réussi que ça marchait pas. Ouais. Ouais. Petite remarque sur l'équipe technique. On a découvert lors du générique de fin qui était le monteur. Raja Gosnell, putain. Le réalisateur des Schtroumpfs. Le réalisateur des Schtroumpfs de Scooby-Doo. De... Et alors, c'est pas que de la merde, tu vois. Oui, heureusement. Il a bien choisi. Il était monteur. Hein. En même temps, le montage a été très simple aussi. Ouais, ouais. Mais oui, on reste dans du classique. Bon, si on conclut, alors rapidement, est-ce que vous conseillerez, en tout cas nous en tant que semi-garçon pour le moment, est-ce qu'on conseillerait Pretty Woman? Ah bah oui, oui, largement, c'est un immanquable. Enfin, c'est même encore aujourd'hui. Oui, c'est un classique. Quoi. Même encore. Je dirais pas que c'est un classique, mais non, c'est un immanquable. C'est vraiment un immanquable et un film culte. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais, c'est un culte. Ouais. En tant que film culte aussi, je plus sois, donc on peut le voir. Ensuite, c'est pas ma cam, mais vous faites-vous votre propre opinion. C'est toi, spectateur, qui sais. C'est toi qui peux avoir le pouvoir. Ouais. Non, mais pour un garçon, ça passe beaucoup mieux, ou qu'on doit se taper malheureusement un Dirty Dancing ou un Flash Dance encore. Voilà, là ça passe vraiment bien. Puis même par rapport à la plupart des films de filles. Non, ça passe mieux. Pretty Woman que. Ah non, moi c'est Dirty Dancing qui est passé, mais alors super bien. Ah non, mais alors on n'est plus tes copines, Mathieu, c'est fini. Ouais. C'est bon, hein, maintenant tu dis que des bêtises, c'est pas vrai. Non, oh voilà. Ouais, mais personnellement, je trouve que ça passe mieux que une copine. Chez moi, je préfère devenir une princesse qui a plein de thunes plutôt que danser avec un pécor qui va aller faire du surf ensuite. Hein. Voilà, toi, alors Candice, c'est qui va ah bah moi, protéger oui. Une run house aussi. Et toi? Ah, vite fille alors. Ah bah moi, il faut aller le voir, le revoir quoi. Enfin, c'est. Voilà. Tu penses vraiment qu'il y a des filles qui ne l'ont jamais vu? Ah non, je pense pas. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont en mode ah non, mais Twilight, c'est un film qui est visionnaire sur la femme. Non, Pretty Woman est beaucoup plus visionnaire sur la femme. Que tous les Twilight cool, tous les Divergentes et tous les trucs de merde pour filles qui sortent aujourd'hui. Même 50 nuances degrés, c'est une merde et c'est moins érotique que Pretty Woman, je trouve. Voilà. Là, on est d'accord. T'énerve pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo un peu décalée aujourd'hui parce que voilà, on a voulu mettre un peu de piment. En tout cas, moi, je mérite mon mari parce que j'ai raison, vous avez tort. On mettra vos tarifs et vos numéros de téléphone. Voilà, c'est ça, à la fin de la vidéo. Dans la barre d'infos. À la fin de la vidéo, dans les infos, nos numéros et tout ça pour nous contacter, bien sûr. Et 300 au moins la semaine, hein, bien sûr. 300, c'est le tarif français. C'est vraiment une prostituée cheap. Ça fait pas encore l'habitude. Bon, sur ce. Merci à Candice. Oui, venu pour parler du film avec nous. Merci. Et pour le maquillage. De rien. C'est sa faute. La prochaine résultat, les gars, ça sera sur The Sorcerer, voilà, le remake américain de Salaire de la peur. De Clouseau. Peut-être qu'on essaiera de se refaire le Salaire de la peur avant d'aller voir de William Friedkin. Bon, ça sera drôle. Voilà. C'était beau, c'était magique. On avait la Reine des Neiges avec nous, quoi. On entend l'hymne de Pretty Woman. Allez, ok. Allez, 3, 4. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. Ok. Merci. À bientôt. Au revoir.